Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau tirage. La question sera, va-t-il quitter son ou sa partenaire pour vivre une relation avec moi? Nous allons consulter encore une nouvelle fois l'oracle de Béline et je vais vous demander de vous concentrer sur cette question et de choisir une pierre. La première étant la malachite, la deuxième la turquoise et la troisième la quartz. On va commencer donc par la malachite qui se présente comme ceci. Et je vais commencer par battre les cartes et me poser la question, est-ce que cette personne est prête à quitter son ou sa partenaire pour les personnes ayant choisi cette pierre? Je commence par couper le jeu en deux. Donc nous avons deux cartes positives, à savoir que cette personne en question a envie d'atteindre une vie paisible et stable, à savoir que si sa relation avec sa partenaire ne se passe pas bien, c'est ce qu'il va rechercher avec vous dans tous les cas, et retrouver une jeunesse dans cette relation avec vous. La routine commence à lui peser. Nous allons ensuite tirer les quatre cartes. Est-ce que les personnes qui ont choisi la malachite sont partenaires ou pas? Est-ce que la personne en question va quitter son partenaire ou pas pour vous? Alors, nous avons aussi vraiment le besoin de changement. La personne en question a vraiment envie de changer de vie, quelque chose ne va pas. Mais en même temps, à savoir qu'il est sûrement retenu. Donc, des enfants. En ce qui me concerne, ça semble être soit l'achat d'une maison ou même des enfants. C'est pour cela que dans l'immédiat, cette personne ne veut pas quitter son ou sa partenaire. Mais par la suite, il va passer au-delà de tous ces problèmes-ci et chercher plutôt son bonheur. Donc oui, il devrait revenir vers vous du moins et quitter cette vie qu'il a déjà commencée avec une autre personne, mais à savoir que il devra tout d'abord dépasser ceci, donc les enfants, l'achat immobilier, tout ce qui retient à cette personne et se dire que là, j'ai envie de vraiment atteindre un propre bonheur, celui qui est mien avec cette autre personne qui serait vous. Donc à savoir qu'il y aura quelques difficultés par rapport soit à des enfants, soit à un achat immobilier ou du moins quelque chose qui retient à la personne avec qui il est actuellement. Donc là, patience, mais il y aura tout de même pas mal de choses qui risquent d'arriver entre-temps, qui vont pas forcément être faciles pour vous, mais il faudra prendre votre mal en patience. Nous allons ensuite faire la turquoise. Donc, je vais couper le jeu en deux pour la turquoise. Est-ce que cette personne est prête à quitter son ou sa partenaire pour vous? Alors, cette personne est en train de s'isoler. Elle ne sait pas exactement ce qu'elle doit faire. Elle pense à vous, elle réfléchit à la situation, mais elle ne sait pas encore exactement quelle décision prendre. Nous allons tirer les quatre cartes. Donc, est-ce que cette personne est prête à quitter sa partenaire pour vous? Est-ce que cette personne est prête à quitter sa partenaire pour vous? Est-ce que cette personne est prête à quitter sa partenaire pour vous? Tous ceux qui ont choisi le quartz. La turquoise. Nous retrouvons exactement la même chose, c'est-à-dire une personne qui a également envie de changement dans sa vie. Elle a envie de changer. Pour le moment, ça ne se passe pas extrêmement bien au niveau sentimental avec sa partenaire actuelle. Mais nous avons une carte qui nous explique bien qu'il y a un repliement. Donc cette personne est en train de s'isoler, elle ne sait pas quoi faire.
Et apparemment, il y aurait aussi peut-être quelques soucis au niveau financier. C'est pour cela que elle ne veut rien entreprendre dans l'immédiat. Donc, soit peur de perdre de l'argent, à mon avis, dû à une séparation avec sa partenaire. Mais dans l'immédiat, elle a envie d'entreprendre quelque chose. Mais ça risque d'être très compliqué. Alors, je vais quand même rajouter une carte au cas où. Et une autre ici. Donc, il y a énormément de chantage. Si cette personne quitte sa partenaire, elle va lui dire qu'il se retrouvera sans rien, mais il finira de toute façon par entreprendre de nouvelles choses et recommencer à zéro en ayant une nouvelle idée en ce qui concerne le financier. Tant que cette personne n'aura pas non plus fait le nécessaire de ce côté-là, il ne viendra pas vers vous. Mais les sentiments sont bien ici. Il y a une remise en question, mais il doit tout d'abord régler ce problème d'argent. Bien, nous allons finir avec la dernière pierre qui est le quartz rose. Alors, est-ce que cette personne est prête à quitter son ou sa partenaire pour vous? Est-ce que cette personne est prête à quitter son ou sa partenaire pour vous? Je vais couper le jeu comme ceci. Alors ici, nous avons encore une nouvelle fois la carte du retard. Mais cette personne a vraiment envie de divorcer ou de quitter la personne. Là, la personne semble être beaucoup plus décisive sur cette question de quitter la personne avec qui il est actuellement. Mais il y a énormément de retard. Donc soit les papiers administratifs qui mettent du temps ou soit l'autre personne qui lui met des bâtons dans les roues. Et même chose. Nous allons tirer les quatre cartes comme ceci. Donc, est-ce que les personnes qui ont choisi le quartz vont avoir cet homme qui va ou cette femme qui va quitter son ou sa partenaire actuelle? Alors, que me dites-vous, Oracle Guéline? Oula, il y a énormément, énormément de tensions dans son foyer actuellement. Énormément. Cette personne a envie de calmer les choses, mais ça ne va pas du tout, à savoir qu'il y a eu trahison dans son couple. Il y a une belle tromperie, une belle trahison. Donc les démarches sont à suivre. Ça va prendre du temps, mais cette personne est actuellement effectivement très, très, très dans l'optique de quitter la personne avec qui il est actuellement pour partir avec vous. Donc voilà, écoutez, pour ce petit tirage du jour. Donc comme vous le voyez également, c'est vraiment une amitié qui va s'installer d'abord entre vous deux. Et ensuite l'amour qui va enfin pouvoir être là. J'espère que celui-ci a répondu à vos questions. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres questionnements auxquels vous voulez que je réponde. Je le ferai avec grand plaisir. Et sur ce, je vous laisse. À très bientôt.